Valérie? Allô? Il n'y a rien qui m'empêche d'être utile. Pas besoin de le dire à personne, pas besoin de le dire à Plamondon. Je fais mes petites affaires de mon bord, je dérange personne. Hey. 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 Hein? T'es pas prêt. Il faut que tu guérisses. OK. Tiens. Pour ton genou. Tu l'appelleras demain. Je vais vous donner des exercices de souplesse à faire pour votre jambe. OK. C'est épouvantable de perdre son enfant comme ça. Vous allez pouvoir en avoir d'autres. Je veux dire, l'accident vous a pas empêché non, non, de... Non. Non, heureusement, ça aurait été le pire. Je comprends ça. C'est ce qui m'est arrivé. Vous avez eu un accident? Non. J'ai été victime d'une agression. Quand j'étais étudiante. Un viol. J'ai jamais pu avoir d'enfant par la suite. Je sais pas quoi dire. Je suis désolée. Ça fait des années de ça. Mais j'y pense encore. Je vous aide avec votre attelle? Oui. Merci. La Beretta a déjà servi pour un meurtre à Saint-Léonard en 88. Les Italiens? Barry pense que c'est pour brouiller les pistes. Je suis d'accord avec lui. Ah non, oui, je devrais pas te parler de ça. Puis, la femme de Plamondon est venue. Ça a bien été? Oui. Ouais, elle m'a donné des tonnes d'exercices à faire. En tout cas, si jamais t'as besoin d'un coach. Toi, si jamais t'as besoin d'aide dans tes dossiers... Oui. Salut, Barry. Bon, enfin une bonne nouvelle. Sais-tu pourquoi il a jamais déclaré son char volé? Quand est-ce que tu vas l'interroger? Puis Barry est d'accord avec moi, là. Ton accident, le meurtre de Loman, c'est elle la responsable. Je sais pas. Elle m'aidait tout le temps. Je te le dis, d'un cours, elle arrêtait pas de me rendre service. Elle était tout le temps super fine. Dis-six à toi. Elle t'avait spoté une monoparentale. Pas beaucoup d'argent. Tentative de meurtre, c'est pas mal plus sérieux que trafic de drogue. Si je peux prouver que c'est elle qui a commandé l'accident, elle va rentrer en dedans pour un maudit bon bout. Il faut que je m'implique dans l'enquête. Je capote. Puis tu le sais que je suis prête. OK. OK. Mais ce coup-là, tu vas me faire la promesse de prendre aucun risque. Puis surtout, surtout, de rien me cacher. Promis.